Banjoun, C'est parti. ma soeur Banjoun est du centre. Je te l'aime comme on aime le couscous. Oh mon Dieu, j'adore le gombo. J'adore le gombo et parfois le cuit. Elle est crevée. Bon, je suis content de te rencontrer aujourd'hui, sincèrement. Tu as fait un big show là. Guy me regarde comme s'il allait me croquer. J'ai envie de te chanter. Je me marie avec toi. Je reste avec toi. Je meurs avec toi. Oh, oh. Et puis, je vais t'offrir J'adore Paris qui est mon premier single. Okay. Voilà, tu peux le montrer. Qu'on le voit, c'est mon premier single, J'adore Paris. C'est pas parce que je n'aime pas Yaoundé, mais j'adore Paris. Voilà. Cette chanson m'a été inspirée des attentats qui ont eu lieu à Paris en 2015. L'attentat du Bataclan, le 13 novembre. Je n'arrive pas à dormir, moi qui couvre les spectacles de Paris. Et dans la nuit, autour de 23h, je prends ma plume, je mets à écrire, et c'est comme ça que naît J'adore Paris, qui est dans les bacs depuis le 1er juin. Vous pouvez vous procurer ce titre sur toutes les plateformes de France et de Navarre et du monde entier. Oui, je suis sûr que Guy, le manager, Guy Parker, c'est important de préciser, que j'ai toujours rencontré dans les soirées à Paris. Guy, s'il te plaît, viens nous rejoindre. S'il te plaît, Guy, je veux te voir ici avec nous. Pardon, viens te mettre ici, on te voit. Le meilleur manager, le gars est frais de beau. Mais ce gars, si je le vois à Paris, il était calme, il était calme, je n'aurais jamais... Et il est s'il vous plaît, oui, viens, Jean-Louis Messant, s'il te plaît, viens, mon frère. Je voyais Guy dans les soirées. Attends, tu vas faire des jaloux. Oui, je vais faire des jaloux. Donc, Guy, merci beaucoup. Je te voyais dans les soirées à Paris il y a 15 ans. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviennes le grand manager que tu es. International. Donc, je te remercie, Guy. Et j'espère que tu viendras dans le bouillon bientôt avec ta star pour m'expliquer comment, quel mouche t'a piqué. Oh oui, quel mouche t'a piqué, papa. Quel mouche t'a piqué. Sans toutefois te couper, il ne faudrait pas limiter son rôle au manager. C'est un promoteur culturel, s'il te plaît. Il est plus que manager. Il ne fait pas que du manager. C'est un gars qui produit des spectacles. Oui. Et je crois que dans la plateforme européenne... C'est Messin. Regarde la caméra parce que... Merci. Excuse-moi. Non, vous savez, Coco a tellement de beaux yeux que quand je parle avec lui, voilà, c'est un peu ça, excusez-moi. Je comprends pourquoi tu me vois parce que c'est quelque chose à la maison. Je voulais dire que sur la place européenne, il est l'un des meilleurs. Et en Allemagne, de toute façon, il n'y a pas son... Dis-moi Jean-Louis, est-ce qu'il a sa place dans le bœuf bourguignon ou pas? Bien sûr qu'il a sa place. Alors Guy, je lance l'appel ici. Tasta et toi, vous êtes invités dans le bœuf bourguignon de Jacques Moffo, c'est quand vous voulez. On va se gâter et on va parler du show. Coco. The number one. Oui. Ravi, n'est-ce pas, de faire la connaissance. Bien qu'on se connaisse déjà il y a longtemps. Alors, je me reste juste de dire que pour l'invitation, partout où la culture m'appelle, je réponds présent. Donc, ça a été toujours mon slogan, je serai présent avec ma famille, comme tu as vu mes idées. Début septembre, il faut que tu me dises début septembre. Tu as ma carte, n'est-ce pas? Et ma parole, c'est... Tu as bien ma carte, n'est-ce pas? Voilà. Je te l'ai donné. Donc, à bientôt. Parfait. Donc, début septembre à Paris, tu déboules ta star, je serai content de vous recevoir. On va manger au pomme sans sel, le bœuf bourguignon, le tarot, on va tout manger. Je vous embrasse très fort. Le nain tchin tchin. Le grand frère de sang est